Привет et d'abropage à la vat pour cette nouvelle vidéo où on va se diriger sur Diana Ankoudinova. Donc pour cette vidéo, si vous voulez manquer aucune nouvelle vidéo de la chaîne, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, cochez la cloche de notification, c'est important pour pouvoir avoir toutes les notifications justement. Et nous allons nous diriger tout tranquillement. Alors, si vous ne la connaissez pas plus, hein, Diana Ankoudinova, n'hésitez pas, je vais vous mettre une petite fiche ici avec la playlist des plus de 60 titres que j'ai fait sur elle. Et si jamais vous ne la connaissez pas plus, descendez dans la description. Le premier lien, ça sera sa chaîne YouTube. Le deuxième lien, ça sera le lien de la vidéo sur laquelle je vais réagir. Et alors, on m'a proposé le yodel de Diana Ankoudinova, pas celui de base, on va proposer celui avec les Shiner's Creed que je connais d'Instagram. Vous savez, c'est ceux qui ressemblent un peu aux Predators avec les lumières. Donc, est-ce qu'ils sont russes? Je ne sais pas. Et ça a été tourné au Nid du Tétras des Bois, au Bard Club, sur le boulevard Tsvetnoy. Donc j'espère que j'ai bien prononcé. Voilà, donc si, ça m'étonnerait que ça soit bloqué, mais bon, n'hésitez pas en cas où. Et si jamais vous voulez aider plus la chaîne, hein, tous les liens sont dans la description aussi, ainsi que mon YouTube, mon VK, mon Instagram et mon Telegram. Donc on va pas traîner trop, parce que la vidéo dure 3 minutes 22, donc je ne sais pas du tout, vous m'avez proposé ça. Donc, on va voir Diana Ankoudinova se lancer dans un yodel. Donc, on le savait qu'elle avait fait le yodel quand elle avait 9 ou 10 ans, je crois, où elle avait fait The Voice. Ils ne l'avaient pas pris, mais ils avaient regretté de ne pas la prendre. Donc, on va voir ça beaucoup plus tard, voir ce que ça donne. On est parti. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis... Attendez, je fais le réglage... Je vous dis à tout de suite. Йодель тогда, давайте. Yeah.
Ah là là, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, c'était vraiment une vidéo, alors drôle avec les Shine Screed derrière, mais tous ceux qui pensent que Diana Onkoudinova ne sait pas chanter, qu'ils essaient de se lancer dans un yodel. Je pense, après ce n'est que mon avis, que techniquement c'est vraiment très, mais alors très compliqué de faire un yodel. Et on voit que techniquement, Diana, au niveau de la voix, elle est déjà absolument incroyable, ça de toute façon. Mais au niveau de la technique vocale, de la maîtrise, voilà. Donc ça calme tout le monde sur le fait que Diana ne sait pas chanter. En plus, c'est... Franchement, alors, un yodel est vraiment très compliqué, surtout qu'elle le fait vraiment très bien. Donc j'espère que vous avez apprécié ce yodel Made in Diana Onkoudinova où franchement elle a été vraiment incroyable je trouve. D'ailleurs sur la page je me retrouve avec la vidéo du yodel quand elle l'avait fait lors de The Voice. Mais là franchement elle m'impressionne toujours autant, surtout de se lancer dans ce style de chant qui est compliqué, honnêtement. J'ai vu des gens chanter des yodels. Niveau corde vocale, ça doit pas franchement être très simple. Je suis pas un spécialiste, mais ça doit pas être très simple. Voilà, donc, je vous souhaite une... Ben non, je vous souhaite rien du tout. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Prenez soin de vos proches, prenez soin de tous ceux que vous pouvez aimer. Et si je vous souhaite une très belle matinée, après-midi, soirée, tout dépend quand est-ce qu'on est dans la journée, hein, quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais généralement, elle sort vers 15-16 heures. Donc voilà, je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo sans faute. On se retrouve demain. Je vous aime vraiment très fort. Et j'y arrive pas. Allez, à demain.